Maury, je te montre un petit truc. Je sais que t'aimes bien en plus ce type d'effet. Ouais. Alors sois très attentif à ce que je fais. Je remonte les manches. Hein. Je triche. Genre, regarde ce que je vais faire. Je vais récupérer un jeu de cartes. Je vais fermer mon étui. Je vais le laisser là. Et ce que je vais te demander, c'est tu vas choisir une carte, celle que tu veux. D'accord ? Alors je vais défiler les cartes et quand tu veux, tu me dis stop. Stop. Sur laquelle ? Le 8 de cœur, tu viens prendre une petite gommette. Ouais. Voilà. Tu poses ça sur le 8 de cœur. Okay. Voilà, colle-la bien. Et signe, très important. Donc au moins comme ça, tu as choisi n'importe quelle carte et tu as signé la gommette. D'accord. Il n'y a pas de triche. Non. Ok ? Donc regarde bien. Ta carte, je vais la perdre quelque part, signée dans le milieu du jeu. À peu près ici. Regarde bien, je ne triche pas. Hein. Quand je dis quelque part dans le milieu du jeu, c'est vraiment dans le milieu du jeu. Ok ? Attention. Et dès que je vais claquer des doigts, elle va remonter. 1, 2, et si on claque des doigts, elle remonte. Tu crois que c'est possible? Sans rien faire. Pourtant, elle est signée. Il y aura bien attention. Si on fait juste ça, elle remonte. Ouais. Bon, en fait, ça marche pas tous les coups. Mais bon, le joker, ça remplace n'importe quelle carte. C'est ce qu'on dit, non? Oui. Bon, tu veux qu'on fasse une autre technique, en fait? Parce que là, visiblement, ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas marché. Non, mais alors, si parfois, j'arrive pas à faire comme ça, on peut trouver ta carte de différentes façons. D'accord. Par exemple, en la changeant de couleur. Allez. Pour la changer de couleur, c'est très simple. Je prends un petit peu de couleur bleue dans l'étui, comme ça, et je jette sur le jeu. Et d'un coup, toutes les cartes à vue deviennent bleues. Mais c'est instantané. Hein. Et si toutes les cartes deviennent bleues, Maurice, il y a une seule et unique carte qui reste rouge, et tu vas pas le croire, c'est ta carte. C'est bien ta carte signée ? Excellent. Attends, Maurice, on va faire plus fort que ça, regarde. Je vais laisser ta carte ici signée, d'accord ? Je vais couper le jeu. Au fait, est-ce que tu te rappelles de la couleur des cartes maintenant? La couleur, oui. Ouais, tu te rappelles quelle couleur maintenant elles sont? Elles étaient bleues. Ouais, donc elles sont toujours bleues. Oui. Mais comme j'ai vu que ça t'a plu le changement de carte, est-ce que tu veux qu'on fasse beaucoup plus fort que ça? Je veux bien. Puisque ça t'a plu le changement, on va essayer de le refaire. Puisqu'on a des gommettes jaunes, on va souffler, on va transformer en jaune. Attention, regarde, juste comme ça. Alors pour une question de temps, je vais essayer de le faire assez vite. Hein. Juste en soufflant. 1, 2. Ça va vraiment très très vite, hein. Mais si tu le fais, tu vois que ça change. Et si les cartes changent maintenant en jaune, c'est que toutes les cartes maintenant se sont complètement changées en jaune. Le pire sur ça, Maurice, c'est que tu te rappelles la couleur de ta carte, au fait? Elle était rouge. Ouais, elle était rouge. Ouais. Tiens, est-ce que tu veux faire comme moi? Je te passe la carte, mets la carte ici, et ce que tu fais, c'est très simple, c'est que tu vas souffler. Je souffle. Et attends, et en soufflant, on va la faire changer de couleur. 1, 2... 3. Vas-y, souffle. Regarde. Et quelle couleur elle est maintenant? Jaune. Mais avoir des cartes jaunes avec un étui jaune, c'est encore beaucoup mieux. Si maintenant l'étui est jaune et que les cartes sont jaunes, tout est jaune. C'est très simple. Il n'y a plus qu'à prendre, plus qu'à ranger. Et on en parle plus. Excellent. Bizarre quand même. Hein. Vraiment. Non, il est bien ou il est bien? Voilà. Ah, il est excellent. Là, franchement, je l'avais dit. Ça va vite, hein?